Salut à tous les amis et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon, comme d'habitude les amis. En ce moment, on est pas mal en train de le jouer, donc on va continuer l'histoire tant qu'on n'a pas fini. Et après, si vous voulez des vidéos sur Pokémon, bien sûr, faudra spammer dans les commentaires des autres vidéos, évidemment. Parce que pour l'instant, notre objectif, c'est juste de finir l'histoire ensemble. Et après, vous pouvez dire dans les commentaires si vous avez envie de voir autre chose ou pas, etc., etc. Mais bon, là, on va se battre et tout, voilà, tranquillement. En attente de Kate. Il est temps d'avancer pour aller à Smash machin chose, là. Tiens. On bloque la route 9, comme ça, personne peut atteindre Smashing. Il n'y a pas meilleur supporter que la Team Yeux. Et là on encourage ce brave Targamer. On l'encourage à n'accepter personne sur son dos. M'en fiche de vos histoires. J'ai une technique pour faire flotter la motocyclette. Je suis venu la tester, laissez-moi en paix. Allez. Oh mais je te reconnais Challenger, tu te souviens de moi, je t'ai donné le vélo. Tu crois que j'ai besoin de ton aide? Je viens de débarrasser de ces guignols. On n'est pas du guignol. Désolé, hein, je gueule pas comme la dernière fois, mais on a une mission cruciale, on encourage Targamer. Si on peut plus pourrir la vie des Challengers, c'est tout bonus. Si en plus on peut pourrir la vie des Challengers, c'est tout bonus. Tu cherches la bagarre, Minus. Oui. On va te rétamer pour Targamer. Anarchie. Tu veux l'anarchie? Alors tu vas l'avoir. Allez, vas-y, envoie l'Ignon. On s'en fout de ton Ignon. Tu es d'abord. Parce qu'il a une bosse. Non, en fait, j'en sais rien. Aucun effet, waouh. Bon, enfin, bref. On est pas là pour faire des trucs comme ça. Allez, Coquillame. Terminé pour toi. La sbire de la Quignelle, tu dégages. Laisse les plus forts jouer entre eux. Et après on verra, hein. Surtout Tigrelle, alors si vite on a fini, si vite on s'en va. Ah mais j'avais pas vu sur son poulard, c'est la... C'est Rosemary, c'est la fille, là. Ah non, il fallait tellement de trucs. C'était juste un drapeau rose et noir. Ça va lag. Ça fait rien. Il est nul, son barbare. Il est pas fini comme ça. Hein. Tant que ça fait des dégâts à Pandarbar. Ouais non, pas assez. Pince Mars. Tu m'as douté. C'est bon, tu nous fous la paix, tu nous laisses passer. S'il te plaît. J'ai tellement, mais alors tellement envie de rentrer à ce machine. Bah alors vas-y, qu'est-ce que tu fais chez les challengers? Oh non la loose, on peut pas l'empêcher de grimper sur Torgamor. J'ai une super idée. Et si on montait sur Torgamor d'abord? Et qu'on se carapatait sur sa carapace? Bon Torgamor, adios challenger, on doit loser. Ah ouais. Ok. Merci pour le coup de main, tu m'as encore bien aidé. Ça te plaît l'aventure motocyclette, j'espère. Je parie qu'elle te manque une chose, c'est de pouvoir naviguer sur les flots avec. Ça tombe bien, j'ai justement reçu les pièces pour transformer ta motocyclette en véhicule amphibie. Sous l'influence de Motisma, cette bicyclette permet non seulement de mettre le turbo, mais également de se déplacer sur l'eau. Et voilà, grâce à son mode aquatique, la motocyclette peut avancer, se lancer à la conquête des rivières et des plans d'eau sur terre. Tu veux bien sûr continuer le mode terrestre. Oh ouais. Oh. C'est tellement stylé. Ah mais c'est trop cool. T'es même pas. Mais j'avais dit que je voulais te battre quoi. Il graille. Ah ouais, bah oui, bah il fait 30 hein. Ah le cavalier il est lourd. Ça fait mal. Si on utilise Veille, un Pokémon électrique, équipe électrique.
envoyé au combat, bien évidemment. Reviens, Crabon. Et on voit Pikachu. Dégagez. Ah oui, il est niveau 41, Pikachu, merde. Ça va pas être facile. Étincelle, coup de vie ou tonnerre? Tonnerre. Ça y est, presque, presque Pikachu, tu es presque. Mais regardez-moi ça, mon petit Pikachu, comment il est pas là? Hein, ça fait de l'électricité partout, à droite à gauche, en haut en bas. Pardon. Je m'enflamme, je m'enflamme. C'est super efficace. Il est KO! Ça se dit, hein. Alors. Qui c'est qui est niveau 55? Métamorph. Je fais vraiment n'importe quoi avec mes Pokémon. Ah non, pas la baleine. Là, c'est une feuille par où? Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas par là en tout cas. Les amis, comment vous dire ça? Je suis perdu. Ah non, ça doit être par là. Allez, tu m'as la paix, la pieuvre. Ah, ah. Oh, je l'ai brain. Par là. Ah, il y a des trucs par terre. Hyper. Hyper. Donc du coup, route 9 à bord de ce machine. Et merde, j'aurais pas dû rester sur le vélo. Un gros lacton, gros lacton. On découvre vraiment tous les Pokémon. Les amis, Coquillam, on va voir ce que ça fait. C'est pas fort. Ça m'aurait pas choqué que je sois glacé et donc du coup je ne puisse plus bouger. Ouais voilà, grelasson. Arrête de grelotter. C'est pas comme ça que tu vas pouvoir faire quelque chose, moi je te le dis. Enfin bref, je vais utiliser la marche à pied parce que là sinon je vais me faire à toi. Vous savez lire le Pokémon, vous bien sûr. Ça doit être par là, hein. Il y a tout le monde. C'est quoi? C'est un hangar abandonné, c'est le Fight Club ici. Impossible d'entrer dans ce machine. Ça fait des plombes qu'on attend. Comment on va faire pour détruire le champion de l'arène de type ténèbres? Pourquoi le rideau est baissé? Comment on va faire pour obtenir le badge? C'est quoi que tu as? Par ici. Y allez, y allez. Là je vais remettre un peu mon équipe en ordre parce que là c'est n'importe quoi ça. Voilà, après avoir fait ça les amis, je vous garde la surprise. Hein. Bon allez, vous savez quoi, on va se battre un peu et comme ça vous allez voir un peu l'équipe. Je vais vous la présenter pendant le combat les amis. Est-ce que vous êtes prêts? Nous avons Remity à sa place. Bien sûr. Et l'équipe est composée de Pignon, Corvallis, Pikachu, Pyrobus, Crabert et Ouvrifière. Oui les amis, nous avons l'équipe totalement... Je on a fait ça, bien sûr. Voilà. C'est tout simplement facile en fait. Moi je vais te battre, c'est tout. je veux pas que tu tues. Tu n'as pas le droit. Ah, par là. Tu vas rentrer dans la ville? Je peux te montrer par en passer. Je suis né ici, je connais le coin dans, comme ma poche. Mais on n'a rien sans rien. Tu veux que je t'aide? Faudra que tu me battes contre moi, t'es d'accord? Avec joie. T'as enchaîné victoire comme moi. Et t'as tout mon respect en tant qu'adversaire. Mais trop de gens comptent sur moi. Je peux pas me permettre de perdre. Allez vas-y si tu veux battre. Ah,
me suis entraîné, je suis plus fort qu'avant. Tu vas prendre cher. Ah oui. Bien, bien, bien. Je suppose que non. No comprendo what the fuck don't do to Vampifon, allez, boum. Tu t'es entraîné, tu dis? Je crois pas, non. On va quand même t'entraîner dans les terres sauvages, c'est là où t'apprends les meilleures actions. C'est moi qui t'ai dit, c'est là où je suis entraîné, c'est là où ça reste entraîné. Et vous changez de compte de Pokémon? Non. Je te bouge même pas là. Regardez-moi, statue. Comme je suis. Vampifon. Très bien, j'ai vu que tu t'es entraîné un peu. Mais. Est-ce que tu vas. Ouais. Bien joué, bien joué. Elle augmente tellement qu'il est confus. Pignon, pignon. Te laisse pas berner. Putain, il est une grosse fou. Voilà. Quoi t'as là. J'ai même pas besoin de bouger le petit doigt si je veux te battre. J'ai même pas peur. Et tu sais quoi? Personne ne m'a peur. Bagaïde. Ah, je pense un peu sur la question là. Allez, puis. Point éclair. Et l'électricité. Allez, maintenant envoie ton petit truc là. Oh, je pense qu'il a dû augmenter son truc. Morpeko. Continuez sans changer. Eh ben t'es pas mon rival pour rien. Toujours en train de pousser. Les limites là, je pense que c'est ça. Morpeko. J'ai besoin de regagner des PV, tu m'en veux pas? Très content, très content. On retrouve toute notre énergie les amis. Comme à son habitude, Kuro gagne le combat. Qui n'était point en temps. Oh, pourquoi je me rate comme ça? Eh ouais. On est les meilleurs, on l'est pas. Je comprends maintenant pourquoi mon Morpeko est fan de toi. T'assures grave. Mais moi, si je me bats, c'est pour tous ceux qui me soutiennent à ce machine. Et j'ai bien l'intention de te battre à plate couture, un de ces quatre. Donc je vais récolter les 8 badges et je prendrai ma revanche aux Pokémasters. En revanche, j'ai une parole et je vais le prouver. Suis-moi. Ah yes. I will follow you. Damn it. Y'a une arène maintenant? Smashing. Ouais. On va aller par là, hein. Ah bah elle est là. Personne ne pourra accéder à l'arène si le rideau reste baissé. C'est quoi ce délire? Je vais me renseigner. En fait, tiens, prends ça. T'en fais pas, j'en ai en rab, bonne chance. Peters. Yes. Bienvenue à Smashing. Prêt pour la mission d'arène? Alors hop, saute dans ton uniforme. Ah oh oui, direct, cache comme ça. Pour le champion, c'est tout droit, tu peux pas le rater. Yes. Impossible. Désolé, mais y'a pas juste moyen que je te laisse un gros bourge comme toi. À passer un gros bourge comme toi. Je te fais pas peur, c'est ça que tu vas morfler. Allez, allez-y, il veut se battre. Allez, on va le faire. Comme d'habitude, les amis. Hein. Ah, j'ai vite dégueulé, là. Je me suis fait mal la dernière fois. Et, un petit peu de maladie. Comme on dit, c'est l'hiver. Hein. Allez, Linéon. Ah.
change de Pokémon, on le changera pas, nous. Ouais, bah voilà, on l'a battu. Oh, tu vas exploser avec tes Pokémon! Non, avec un Pokémon, en fait. Je t'avais mal jugé. T'as de la street, Creed. J'avoue. Bon, tu peux passer. Heureusement, je peux passer. Non, mais manquait plus de ça. Nani? Tu croyais vraiment qu'on allait te laisser passer un bon comme toi? Il me fait pas rire. Ah bon. Oh, tu me fais peur. Je te mets le doigt dans l'œil, mon petit. Parce que moi, je suis pas déjà un rigolet. Comme tu peux le voir, Manitra point. C'est rigolo. Ça fait mal à tous les coups. Sans exception. Ça peut être ça. Ça compte pas là, ça les animaux. J'ai même pas eu le temps de me présenter. Ouais, moi tu m'as bloqué, je veux passer. C'est tout ce qui compte. Franchement, respect. Passe et regarde. Et regarde les néons quand tu y es. Anarchie représente la tuyelle. Ouais, ils se traitent ça comme des tarés, genre. Eh, je t'ai surpris? Non, parce que moi, je me suis surpris tout seul. Et j'ai surpris mes genoux aussi. Oh, il atterrissait en douleur. On fait un petit combat pour oublier la souffrance. Allez, vas-y. Je m'échauffe un peu. Parce que là, ça va pas bien. Voilà, hop, hop, hop. Je sens que je vais devoir te battre. Tiens, tu peux toujours avoir mal au genou, mon pote. Trop facile. Acclamez-moi comme président de la street. C'est le meilleur. Moi, la street, c'est mon duel. Eh ouais, je suis le roi de la street, moi. J'ai perdu, mais au moins j'ai géré la douleur comme un pot. Je peux pas me retirer comme ça. Maintenant que mes genoux sont un peu mieux, je peux me tailler en courant. Adios! L'autre, il se barre dans la direction que j'ai. Non, mais tu fais mal après, bordel. Oh là là. Ah, je ne pouvais pas. Encore? Tiens. Oh, je parie que ton équipe commence à fatiguer. Ah ouais. J'ai tellement sauté que tu vas me laisser gagner. Ok, c'est sûr. Si tu veux, je fais une seule attaque. Une seule attaque, les autres. Une seule. Et je la laisse gagner si ça marche pas. Ok. Ouais, une seule attaque. J'en ai battu. J'ai dit qu'une seule attaque, hein. Du coup, on va voir ce que ça donne. Une seule attaque. J'ai prévu, hein. J'ai fait une seule attaque et je vais faire ça. Voilà. Maintenant, je te laisse gagner. Ah bah, t'as perdu. Oh bah, ça. Oh. Ah ouais, mais. Faut pas s'attaquer aussi fort. Si tu ressens plus. Quoi, t'as déjà fini, sérieux? L'arnaque! Ah, je suis pas habile, moi. Je fais ça en 2-3 mouvements. Hein. Et il se rendra. Voilà. Bon, c'est un peu long, là, la route. Hein, très longue, la route. Là. Ah, c'est long, les amis, c'est très long.
Défi de quoi? Je t'ai fait une surprise sur le truc avec un. Oh! Je comprends. Interesting. Moi j'aime bien quand tu fais des trucs comme ça. Oh là là, j'ai mon Corvallus. Il ne peut plus manger de baisse. Ah, j'ai zéro ça. Allez, hein. Efficace, efficace, efficace. Bec brille sur Dali, hein. Chacun son tour. Très bien, tu veux me faire mal. Ok, je vais me faire mal. Ah, ça t'a pas fait grand chose. Hein. Et voilà, Léopardus, adieu. C'est au tour d'un scorpion d'attaquer. On va voir ce qu'il va faire. Crochet venant, merde. Ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool du tout même. C'est pas gentil. Ça, non mais... De toute façon il va attaquer le scorpion, ça va cogner des gueules. Voilà, c'était sûr hein. Eh oui. Et là, je regarde tous les deux. Ah non, pas tous. Bon, allez, le Nico. Laissez-nous faire la reine. On peut plus. Ça aurait été plus simple si t'avais perdu, tu crois pas? Est-ce que j'ai perdu en tant que membre de la tunnel ou en tant que dresseur d'arène? Waouh, c'est plus... je préfère quand même battre en début, c'est plus... ça donne plus... De toute façon, tu vas prendre tes champions ou tu vas prendre terre. Vous savez déjà qui en était, non? C'est-à-dire, je vais pas me faire crier dessus parce que j'ai pas payé mon costume, hein. J'ai le doute d'un coup. Ouais, bon, ça va. Vous allez la boucler, oui? Ah, courant quelque chose. Je suis désolé. Les idiots de la reine viennent de me dire que c'est pour moi qu'ils ont fermé le rideau. Très bien qu'on trouve quelque chose. Machi, il est en train de tomber à l'abandon. Et puis personne ne soit disant champion, il fait rien. Je suis content de dire, ça va aller. Donc on a décidé de créer la Team Yell. On s'est dit qu'il fallait mettre des bâtons dans les roues et des autres challengers. S'ils peuvent pas rentrer dans l'arène, ils seront bloqués, tu vois. Rosemary, tu serais la seule à pouvoir terminer le défi des arènes et aller au Pokémaster. Voilà, ça augmenterait tes chances de venir remettre, tu vois. J'hallucine. On a même plus la même définition des supporters. Quand tu fais tout ça, il fonce. Ah ouais. Elle a de la gueule, là. Mais bon, nous, les amis, on va s'arrêter là pour cette magnifique vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre like, le pouce en l'air, qui fait plaisir. Comme d'habitude, laissez votre petit commentaire. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour qu'on se retrouve sur une prochaine vidéo, les amis.